Bonjour, nous voilà pour la case numéro 36, donc la deuxième de cette journée. Donc, on est toujours le 19 juillet et j'espère pouvoir en faire, bon, comme Pilou a dit tantôt, donc hier pour vous. Pas sûr que je le termine, mais j'espère bien l'avancer. Parce que demain, on est en balade. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les petits baies. J'en ai toujours énormément, il m'en faut jamais tant. Mais bon, on ne se refait pas les enfants, on ne se refait pas. Alors, les petits baies, on y est là. Après, je vous montre, parce que je ne l'ai pas fait hier, je vous montre l'avancée du DP, parce que les deux prochaines cases seront au-dessus, donc je vais le retourner, donc vous ne verrez pas. En fait, vous le verrez, je vais vous montrer aujourd'hui, et puis vous le verrez en entier une fois terminé. Il ne restera que 4 cases à faire. Quatrième jour, vous verrez le DP terminé et dans son cadre. Je cherche mes mots là, hein? Dans son cadre. Moi, j'ai terminé hier soir le DP du sapin de Noël. Ça me fait deux DP Noël finis. Ils sont dans mon carnet. Vous savez, les grands carnets, je ne les colle pas dedans, hein, je ne fais que les poser. Les grands carnets de chez Action, là, carnets à croquis, je les pose dedans. Donc chacun, je mets une page entre. Comme ça, je sais qu'ils sont là et pour Noël, ils pourront descendre. Ce DPC terminé, je ne sais pas si j'entame directement sur Halloween pour les programmer en faisant en même temps ben, d'autres DP, comme j'ai fait pour celui-ci. Ou si je fais une pause dans les vidéos et que je fais un grand DP. J'ai envie de faire mon gore. J'hésite entre deux. J'hésite entre trois. J'hésite entre le gorille, entre la guitare avec toute la peinture et la femme japonaise. Je ne sais pas, j'hésite. Voilà, j'ai fait les petits baies, je m'avance et je reviens vers vous. Voilà, me revoilà. On va terminer ensemble. Cette 36e case. Voilà. Donc, pour l'instant, Kylian travaille. On n'a pas tellement de renseignements sur le réseau ferroviaire. Je ne sais pas s'il va savoir entrer en train ou si on va aller le chercher sur Bruxelles. On ne sait pas où ça en est. On ne sait pas non plus pour Liège, puisque Pilou devrait partir vendredi à Liège. Sur Internet, je trouve les informations. Enfin bon, on n'est peut-être pas doué non plus pour regarder. Hein. Ça, je ne dis pas. Mais les informations ne sont pas très claires, je trouve. Donc, je ne sais pas. Demain, on ira jusque au Havre. Voir si la boutique a résisté, si les choses reprennent vie là-bas, si éventuellement on peut aider. Ça, je vous tiendrai au courant.
Faut qu'on aille à Louvain-la-Neuve aussi. Je ne sais pas si c'est accessible. Il y en a besoin de bouquins. Et on a le Furet du Nord en Belgique, mais juste à Louvain-la-Neuve. Donc, celui-là, il allait. Non, celui-là, il va là. C'est celui-là qui allait là et celui-là qui allait là. Le C. Donc voilà, on est un petit peu dans le doute, on ne sait pas très bien, on ne sait pas si on ne va pas être dans les pieds. On dirait tant que tu ne vas pas le savoir. De toute façon, pour aller vers le Luxembourg, pour l'instant, c'est pas possible. Major. Ça d'office. Ils essayent de remettre le tunnel, en fait, pour aller au Luxembourg. On passe par un grand tunnel à Liège. Quoique, non, je pense pas. Major. Ah oui, tu t'es... Oh non, tu vas passer, s'il te plaît. Je vais plus avoir l'électricité. C'est grave, hein. Tu sais pas laisser ces fils tranquilles. Ne tiens pas ma patte, je vais me rasseoir quand même. Ne tiens pas ma patte. C'est la meilleure année, celle-là. Mets sa patte sur mon pied pour que je reste près de lui. Voilà, tiens mon pied. Tu es content? C'est un bébé. Enfin bref, je ne sais plus ce que je disais. Oui, je disais pour aller au Luxembourg, au fond, il ne faut pas qu'on passe par Liège. Je ne sais pas, je ne sais plus. Hier, quand j'ai regardé, j'ai marqué Jean Blou Bastogne, puisque Bastogne, c'est vraiment la limite du Luxembourg. Il notait quand même que. Il notait l'itinéraire, le temps que ça pouvait mettre, mais que tout ça pouvait être perturbé à cause des inondations. Donc, il. Même sur Google Maps, pour l'instant, ils ne savent pas très bien nous renseigner. I don't know. Tout cas, c'est. Enfin bref, j'en parle, mais c'est vrai qu'on est retourné. On est choqué. Et en Allemagne, les malheureux. Et maintenant, j'ai vu que ça se déplace vers l'Autriche. Ah, mais il y a encore des P là, j'oublie toujours un ou l'autre. J'oublie toujours un ou l'autre, il n'y a rien à faire. Enfin, j'ai l'impression qu'on est tous dans le même cas. C'est pas grave. On reprendra les petits pots. T'es coincé. Je vais choisir toi alors. Oh, Major, non. J'ai un chien péteur, je vous jure, c'est une infection. J'adore ce chien, mais là. Oh. Heureusement que l'odeur ne passe pas par Internet. Hein. Purée. Voilà pour le S, je pense que ça, je n'en ai pas oublié. Alors, on va faire le V. Je dois faire l'epsilon. Puis je ferai le V. Alors. Viendrai rechercher les petits oubliés par-ci par-là.
Ici. Quelle heure est-il? 16h. 16h17. Je crois que Pilou vient boire un café. Ça va être l'heure du cappuccino. Oui. Comment j'aurais descendu? Je crois. Hein. Il doit aussi faire son dépit. Il est en retard. Je le dis tout bas parce qu'il arrive. Voilà, celle-là est presque terminée. C'est l'heure Du café. Du café. Du café. Allez, alors. Donc, je termine cette petite case. Je disais, c'est peut-être moi qui. Il y a longtemps qu'on n'est plus allé par là. On passe par Liège pour aller au Luxembourg. Non. Ça n'est pas vraiment le même chemin. Me semblait bien. Donc. Liège, c'est l'Allemagne. Donc peut-être que c'est accessible. Oui, on a 1h10 de route pour Bastogne. On a 1h10 de route pour Bastogne, j'ai vu hier. Mais ils préviennent qu'il peut y avoir des problèmes avec les inondations. Ils préviennent quand tu vas à Bruxelles aussi. Et tu n'as rien vu. Alors tu ne sais rien voir. Oui, à mon avis, ils ont mis ça pour la Belgique entière. Je crois que c'est le Mais quartier qui le Durbuy, fait systématiquement, quoi. Durbuy était sous eau, hein. Oui. La ville du livre, c'est quoi? La ville du livre, c'est de Redu. L'ex-ville du livre, il n'y a presque plus rien. C'était un petit village, Redu, c'est un tout petit village, et il y avait plein de librairies, et alors il y avait plein de vieux livres, et c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis petit à petit, ils ont fermé les uns après les autres, et maintenant, il en reste quelques-uns, enfin. La dernière fois qu'on y est allé, c'est il y a 2 ans, je pense. Il en reste quelques-uns, mais plus beaucoup. Ils sont plus vraiment commerçants. Ben écoute, ils n'ont plus grand-chose, donc ils doivent quand même. Quand tu vois qu'on a été mangé. Ah non, eux, ils n'étaient pas sympathiques. Enfin, c'est pas tous les restaurateurs, hein, c'était. Non, eux, ils n'étaient pas sympathiques. Mais bon, ça ne représente pas non plus la ville de Redu, quoi. Hein. Il y a d'autres restaurants. Non, me demandez plus lequel. Voilà, ça c'était déjà des oubliés. Il me reste un S que j'ai oublié, puis des petits A et du X. P, le S. Un seul. Les A. Je l'ai surpris en mettant la photo de Marie-Thérèse en premier. Ah ah! Voilà, il me reste 2x et c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous montrer le DP dans son ensemble, puisque les 4 prochaines cases, je ne vous le montrerai pas. Le X ici.
Je vais d'abord éteindre la tablette. C'est plus pratique pour voir. Voilà, je fais pause et je vous montre. Donc voilà ce que ça donne jusqu'à présent. Donc il n'y a plus que les quatre cases. Donc je vais le retourner pour avoir accès facilement à ces cases-là. C'est pour ça que vous verrez le final en grand comme ça. Vous verrez le final dans son cadre quand j'aurai terminé la case 40. Donc dans quatre cases. Allez, bisous, à demain.